All right, vous y avez-vous levé? Please be seated. Le Président, je demanderai aux témoins de prononcer la déclaration solennelle, je vous prie. Le témoin, je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Le Président, merci Monsieur Vujic, veuillez vous asseoir et mettez-vous à l'aise. Avant que de commencer à témoigner, Monsieur Vujic, je me dois d'attirer votre attention sur un article du règlement de ce tribunal international. Il s'agit de l'article 90E. En application de cet article, vous pouvez faire objection pour ce qui est d'apport de réponse à des questions de M. Karadzic, de l'accusation, ou même de la part des juges. Si vous pensez que votre réponse est susceptible de vous incriminer pour un délit au pénal. Dans ce contexte, incriminer signifie dire quelque chose qui pourrait correspondre à une reconnaissance de culpabilité pour un délit au pénal, voire dire quelque chose qui comme constituerait une preuve de la commission d'un délit au pénal par votre, par vous-même. Alors, si vous estimez que votre réponse risque de vous incriminer, vous pouvez refuser de répondre à la question. Mais je me dois de vous dire que cette Chambre a l'autorité de vous contraindre à répondre quand même. Mais dans ce cas de figure, le tribunal s'assurera du fait que ce témoignage, sous la contrainte, ne pourrait être utilisé dans aucune procédure exception faite d'une procédure qui se rapporterait à un faux témoignage. Avez-vous bien compris, M. Vujic, le témoin? Oui, merci, le Président. Bien. Veuillez commencer, M. Karadzic, l'accusé. Bonjour, M. Vujic, le témoin. Bonjour, M. le Président. Question. Je vais vous demander de procéder à des pauses entre vos phrases et les miennes. Et il faudrait que nous prononcions nos phrases de façon assez lente afin que tout puisse être consigné au compte-rendu. Est-ce que vous avez fait auprès de mon équipe de la Défense une déclaration? Réponse oui. Question, merci. Je voudrais que l'on nous affiche au prétoire électronique le 1D49061. Est-ce qu'à gauche de l'écran, vous voyez une version en serbe de votre déclaration? La réponse, oui. Question, merci. Avez-vous lu cette déclaration et l'avez-vous signée? La réponse, oui. Question. Je vais demander à ce que l'on nous affiche la dernière page de la déclaration afin que le témoin reconnaissent sa signature. Est-ce votre signature, monsieur? Réponse oui. Question, merci. Est-ce que cette déclaration reprend fidèlement la totalité de ce que vous avez dit à l'équipe de la Défense? Réponse oui. Question, merci. Si aujourd'hui je venais à vous poser les mêmes questions, est-ce que vos réponses en substance seraient les mêmes que celle que vous avez apportée dans cette déclaration? Réponse oui, ce serait le cas, en effet. Question, merci. Je demande le versement au dossier de ces déclarations en application de l'article 92 ter. Le Président, y a-t-il des objections, Monsieur Zetz? Monsieur Zetz, bonjour, Madame et Monsieur les juges, pas d'objection. Présent, ce sera admis.
Le greffier d'audience, ce sera la pièce D4242, madame, monsieur le juge. Président. Bon, veuillez continuer, monsieur Karadzic. L'accusé. Je me propose maintenant de donner lecture en langue anglaise d'une brève déclaration de un résumé de la déclaration de monsieur Wojcik, et ensuite je lui poserai des questions au sujet d'un document concret afin de demander par la suite un versement au dossier de ce document. Drajko Wojcik a été mobilisé en fin 1991 et a été envoyé en tant que membre du 5e bataillon de la 343e brigade de la JNA en Slavonie, où il a passé 45 jours. Par la suite, il est retourné à Prijedor, et lorsque la crise de Prijedor s'est manifestée, il a commencé à créer une unité dans le secteur de Ourija, à Prijedor 2. Communauté locale de Prijedor 2. En 1995, il est devenu membre du SDS et par la suite, il a été vice-président du comité municipal et il a été député à l'Assemblée municipale pendant un mandat. L'unité créée par M. Vujic comptait à peu près 900 à 1200 hommes, qui étaient essentiellement des personnes âgés de plus de 50 ans, dont bon nombre n'étaient pas des Serbes, mais qui ont rejoint les rangs de cette unité de leur plein gré. L'unité est intervenue au niveau de la zone d'un pont ferroviaire, là où Prijedor Centar est séparé de Prijedor 2. Ils ont patrouillé pour empêcher les déplacements d'inconnus, la survenue de tensions ou d'incidents. Au matin du 30 mai 1992, des unités de musulmans armés se sont attaquées à des soldats de M. Vujic depuis un parc qui se trouve sous les passages de voies ferrées et d'une société à proximité. L'un des soldats a été tué et les autres ont réagi à cette attaque surprise. Pendant ces échanges de tirs, les musulmans ont tiré sur une ambulance qui se déplaçait en direction de la ville et ils ont grièvement blessé le chauffeur. Au bout d'une heure de combat, les unités musulmanes ont été repoussées et se sont retirées en direction de la rivière Sana. Cela a constitué la dernière des grosses attaques des unités musulmanes dans la zone de recrutement de Prijedor 2. Pendant ces combats, un soldat ennemi a été emprisonné. Il portait un uniforme de camouflage et il portait un bandeau vert dans un style d'Indien Cherokee avec des inscriptions islamistes à un croissant, une étoile et une fleur de lys. Après avoir eu cette attaque de la part de plusieurs groupes armés sur plusieurs axes différents, le dit prisonnier a été escorté vers la garnison et a été confié aux instances de la chargée de la sécurité. Suite à cet épisode, le bataillon n'a pas participé à des opérations de combat jusqu'à septembre 92, lorsque la plupart des hommes du bataillon a été envoyé au front de Gradača, alors qu'une petite partie avait eu pour mission le nettoyage du mont Kurevo, où il y avait des unités de musulmans. L'un des soldats qui a participé au combat de Kurevo a été blessé et il y en a un autre qui a été tué. M. Vujic a été informé par un coursier, une estafette, du fait qu'il y a eu rébellion de prisonniers à Karaterme, mais ses unités n'ont pas participé à ces événements. Pendant l'été de 92, des hommes du bataillon ont patrouillé à proximité de la mosquée de Puharska, là où la mosquée a été détruite dans une explosion. M. Vujic a aidé les gens qui ont été blessés. Parmi eux, il y avait un musulman
qui a été placé à bord du véhicule de M. Vujic pour l'emmener à l'hôpital où on lui a administré des traitements médicaux. Les soldats qui ont patrouillé ont été sous le choc et certains ont perdu le pouvoir d'entendre quoi que ce soit. M. Vujic a voulu rassurer les résidents de Puchalska et empêcher toute tentative de trouble. En été 92, des unités ont été envoyées pour fouiller Puchalska, partant d'une information disant que bon nombre de musulmans avaient cherché refuge et on avait soupçonné ces personnes d'avoir participé aux échanges de tirs à proximité de Kozarac et Khambarine. La population musulmane a apporté son soutien à cette opération sécuritaire parce qu'ils avaient conscience de la présence de ces extrémistes qui constituaient en fait une menace pour cette population même. Quelques 30 hommes ont été mis de côté et transportés à Omarska. Les autres résidents sont restés chez eux. En 92, il y a des unités paramilitaires serbes variées qui erraient autour de Prijedor, tout en générant bon nombre de problèmes, tant pour la population musulmane que serbe. M. Vujic a personnellement arrêté un membre de l'unité Suvarebra, l'une de ses formations paramilitaires qui était active dans le secteur de Prijedor. Un paramilitaire a été désarmé, ligoté et ensuite escorté jusqu'à la prison de Gradiška. Il y a eu plusieurs cas de figure où M. Vujic a coopéré avec la population musulmane pour les aider et les protéger. Les autorités officielles de Prijedor n'ont pas procédé à un déport, une expulsion forcée de la population musulmane, pas plus qu'elles n'ont eu l'intention de détruire la population musulmane en tant que groupe, en partie ou de façon intégrale. Alors je me propose maintenant de poser une question à M. Vujic dans le cadre de mon interrogatoire principal. M. Vujic, au paragraphe 1 de votre déclaration, vous avez dit que dans votre bataillon, vous aviez quelques 900 à 1200 hommes et que c'était des gens qui étaient plutôt âgés, qui avaient plus de 50 ans pour l'essentiel. Alors ça, c'est ceux qui sont soumis à un troisième appel sous les drapeaux en cas de besoin. C'est bien cela. La réponse est exacte. Question. Au troisième paragraphe, vous dites que vous avez compté pas mal de soldats du groupe ethnique croate, musulman, des Roms, des Ukrainiens, enfin, des non-serbes en somme. Est-ce bien exact? La réponse, oui, c'est exact. Question. Je voudrais qu'on montre au témoin le 1D49062, s'il vous plaît. Non, excusez-moi. C'est le 061 qu'il nous faut. Non, c'est 62. Non, j'ai bien dit au début. Toutes mes excuses. Monsieur Vujic, pouvez-vous nous dire ce que constitue cette liste et qui est-ce qui l'a établie? La réponse. Cette liste, c'est moi qui l'ai faite en me préparant pour le témoignage d'aujourd'hui. Dans les registres disponibles, mis à ma disposition, pour ce qui est des soldats qui ont été engagés, j'ai pris les noms de tous ceux qui n'étaient pas du groupe ethnique serbe et qui ont tout de même fait partie de mon unité. Question, merci. Est-ce que, pour ce qui est des deux premières lignes, vous pouvez nous en donner lecture à voix haute? Le témoin, Achim Chasmir, question, excusez-moi. L'intitulé, le titre, réponse, liste des personnes
de groupe ethnique non serbe ayant fait partie du 3e bataillon motorisé. Question, merci. Ici, on voit 41 personnes. Est-ce que toutes ces personnes sont des non-serbes, à savoir des musulmans pour l'essentiel, des croates et des ukrainiens? C'est bien cela? Réponse, c'est bien cela. Question. Je demande à ce que l'on nous affiche la page suivante, s'il vous plaît. Est-ce que sur cette page, ça va de 42 à 86, là aussi, sont-ce tous des Croates ou des musulmans, voire des Ukrainiens, des protestants? Enfin, quels sont les groupes ethniques et les religions qui sont représentées ici? Réponse. En effet, ça c'est la continuation de la liste. Il y a des musulmans, des Croates, des Roms, des Ukrainiens. Et ceux-là sont, disons, les plus nombreux. Question. Merci. On voit la colonne de l'année de naissance. Mais la dernière colonne, c'est quoi? Réponse. La dernière colonne, c'est le temps qu'ils ont passé dans cette unité, s'agissant de chacun des individus en question. L'accusé. Et ça va jusqu'à 1996, d'après ce que je vois. Donc, jusqu'à la fin de l'existence de cette unité. Réponse. Il y en a qui sont restés dans cette unité du premier au dernier jour. Il y en a qui ont interrompu leur participation pour des circonstances telles qu'elles se présentaient. Certains ont été blessés. Certains ont, hélas, été tués. Et il y en a qui ont été mobilisés et qui ont participé aux activités de cette unité de manière moins longue. Question. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler des familles et de la population civile dont étaient originaires ces gens? Réponse. Ils étaient originaires des zones de la conscription. C'est les communautés locales d'Ourie, Tchirkin, Polye, Pukhaska, Orlovacha, Orlovtsi et Garievtsi. Je n'exclus pas la possibilité qu'il y en ait eu à venir d'autres communautés locales du domaine ou du territoire de la municipalité de Prijedor. Question, merci. Leurs familles et les civils résidaient où et comment ces familles ont-elles été traitées par les autorités de Prijedor? Réponse. Leurs familles respectives sont restées chez elles. Dans leur maison, ils ont continué à travailler. Ceux qui faisaient de l'agriculture ont continué à exploiter leurs terres et ils n'ont jamais été ni malmenés ni mis en péril. Question, merci. Je demande le versement en dossier de ce document, s'il vous plaît. Le témoin, excusez-moi. Ce document comporte encore une page. Il me semble que le chiffre définitif est de 233 hommes. L'accusé. Chez moi, il y en a 4 ou 5 au total. Il manque la page 3 et 4. Le témoin, oui, ça c'est la liste complète. Question. Du juge Kwan, avez-vous des objections, Monsieur Zetz? Monsieur Zetz, non, Monsieur le Président, le Président. Cela obtiendra une cote à des fins d'identification. Le greffier d'audience, ce sera la pièce MFI D42-43. Le Président, vous n'avez pas d'autres questions? L'accusé, non, pas pour ce qui est de mon interrogatoire principal, Excellence, non. Le Président, bien, Monsieur Vujic, comme vous avez dû le remarquer, votre témoignage au principal dans cette affaire a été versé au dossier dans sa majeure partie sous forme écrite. Et c'est donc par le biais de votre témoignage écrit et de vos réponses orales que vous avez présenté un témoignage. Maintenant, vous serez contre-interrogé par un représentant du bureau du procureur. Oui, Monsieur Zetz. Monsieur Zetz, merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Vujic. Vous nous avez dit dans votre déclaration que vous avez été membre
de la 343e brigade motorisée de Priedor. Vous avez été en Croatie en 1991 et vous êtes revenu à Priedor pour des raisons de travail et des raisons militaires. Alors, pendant que vous avez œuvré dans le domaine militaire, M. Witch, vous avez eu des réunions avec les représentants officiels du SDS, n'est-ce pas? Zvanično. Réponse. À titre officiel, je n'ai jamais été présent à quelque réunion que ce soit du SDS. Question. Cette chambre a reçu des éléments de preuve portant sur des documents relatifs à ce qu'il est convenu d'appeler les variantes A et B. Simon Mišković a témoigné ici pour parler de la variante B qui a été mise en œuvre à Priedor. Page de compte rendu d'audience 45-374. Le document A à B parle de deux phases de préparatifs. La première phase se trouve être liée à la mise en place de relève, de la mise en place de cellules de crise, assemblée serbe, méthode à faire mettre en œuvre par la défense territoriale et ce genre de choses. Alors, vous souvenez-vous, M. Vujić, de tous ces sujets qui ont été abordés dans les discussions lors de cette rencontre? Réponse, non. Je n'ai pas été présent. M. Z, j'aimerais qu'on nous affiche le 65-10937B. S'il vous plaît. Il s'agit d'un procès-verbal de la réunion avec les représentants régionaux de Priedor pour ce qui est des questions militaires. Ce n'est pas daté, mais nous savons qu'il s'agit du registre, que la date se trouve dans le registre des procès-verbaux qui ont été tenus à jour par le comité municipal du SDS. Et cela a été consigné en décembre 1991. Il s'agit de la pièce 65 terres, voilà. Elle vient d'être affichée sur nos écrans. Celui que vous avez devant vous aussi. Alors, ça commence par le fait qu'on évoque Simon Mišković, président du comité municipal du SDS de Priedor, qui a ouvert les travaux de cette réunion en présentant l'instruction émanant de l'Assemblée du peuple serbe de la Bosnie-Herzégovine. Et on parle de la mise en place d'une cellule de crise et d'un secrétariat à la défense et que c'était là la finalité de la réunion. Il y a quelques 10 points à l'ordre du jour dont certains ont déjà été pensionnés par mes soins. Alors, on dit en plus bas que, enfin, dans la suite du numéro 10, on dit que dans les premières phases des préparatifs, alors vous souvenez-vous que vous avez été présent, M. Vujić, à cette réunion? Réponse, non. Question. J'aimerais que l'on nous montre l'avant-dernière page en anglais, la toute dernière page en BCS. Si vous vous penchez sur le bas de la page, M. Vujić, vous allez voir Draško Vujić qui déclare que c'était une trop grosse tâche pour pouvoir être réalisée en si peu de temps. Donc vous avez été présent à cette réunion, n'est-ce pas? Réponse. Je ne me souviens pas de ma présence à cette réunion. Didn't hear you, Mr. Karadzic. Le président, nous n'avons pas entendu M. Karadzic l'accuser. Je soulève une objection. Le président, et par rapport à quoi? L'accusé, il ne s'agit pas d'une réunion du SDS et il ne s'agit pas de la variante A et de la variante B, mais plutôt sur les recommandations de l'Assemblée du peuple serbe du 11 décembre. Donc, il ne s'agit pas d'une réunion du SDS. Le président, M. Zetz, a
lu. Donc, ce qui figure à la première page, et ensuite le témoin était en mesure de lire le document. Je ne vois pas où les problèmes. On lui a posé la question s'il se souvenait d'avoir participé à cette réunion. Il a répondu par la négative. Est-ce qu'on peut continuer, monsieur? C'est monsieur le président. J'aimerais que ce document soit versé au dossier Maître Robinson. Il n'y a pas de base nécessaire pour que ce document puisse être versé par le biais de ce témoin, le président. Je ne comprends pas comment cela, Maître Robinson. Le témoin n'était pas en mesure de dire quoi que ce soit pour ce qui est de cette réunion. Il n'était pas en mesure de reconnaître ce qui s'était passé lors de cette réunion ou ce qui figure dans le procès-verbal, le président. Je ne sais pas si la défense conteste l'authenticité de ce document. Est-ce que vous faites cela, Maître Robinson? On pourrait peut-être demander le versement de ce document par le biais d'un autre témoin, mais pas par le biais de ce témoin. Mais nous ne disposons pas d'informations concernant son authenticité. Le témoin. Il est fait référence au témoin dans ce document. Il est dit qu'il a pris la parole lors de cette réunion, M. Robinson. Oui, c'est vrai, M. le Président, mais cela ne suffit pas pour que ce document soit admis, puisque le Président, oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, M. Zetz, comme vous avez pu remarquer, c'est pertinent, et ce n'est pas seulement parce que le témoin s'est souvenu d'avoir participé à la réunion. Et cette question de savoir si le témoin se souvient d'avoir participé à la réunion ne devrait pas être un obstacle au versement au dossier de ce document. Do you intend to put further questions with respect to this document? Le Président, est-ce que vous avez l'intention de poser d'autres questions par rapport à ce document? Monsieur Zetz, non, Monsieur le Président. Ici, on s'est posé la question de savoir si le témoin était en réalité présent à la réunion. Il s'agit de la crédibilité. Le Président, Monsieur Tiguer, je ne pense pas que nous ayons besoin de votre aide. Vous pouvez vous asseoir. How do we know this is an SDS meeting? Président, et comment savons-nous qu'il s'agit d'une réunion du SDS, Monsieur Zetz? Monsieur Zetz, Monsieur Simon Mishkovitch présidait cette réunion. Et dans le document, il est dit qu'il est président du conseil principal. Il s'agissait des responsables du SDS. Et ce document provient de recueil de procès-verbaux des réunions du conseil principal du SDS. Il ne s'agit que d'un passage d'un procès-verbal président, mais le titre du document nous dit qu'il s'agit de la réunion des représentants de la municipalité de Prieur, Monsieur Zetz. Mais je fais référence à ce recueil de procès-verbaux de réunion du SDS de son conseil principal. Et ici, il ne s'agit que d'un passage d'un procès verbal de cette réunion du SDS. Je suis d'accord avec vous pour ce qui est du fait que ce n'est pas clair à 100%. With respect to his attendance in a meeting with some Président,
pour ce qui est de sa participation à la réunion avec d'autres membres du SDS, la Chambre estime que cela suffit pour que le document soit versé au dossier. Le greffier, le document reçoit la code P6610, Monsieur le Président. Monsieur Zet, au paragraphe 6 de votre déclaration, vous parlez de votre proposition destinée à la théorie des musulmans de rendre leurs armes avant les affrontements et les fouilles. Et vous dites que certains se sont conformés à cela. Monsieur Vujic, devant cette chambre, des éléments de preuve ont été présentés selon lesquels les armes et toutes les munitions appartenant à la défense territoriale devaient être entreposées dans des entrepôts de la GNA, même avant la période à laquelle vous faites référence, et c'est la pièce P3201. En fait, M. Vujic, les armes appartenant aux unités de la TO de Priedor ont été placées sous le commandement de la 343e brigade. Est-ce vrai? Réponse non, ce n'est pas vrai. Question de M. Zetz, du bureau de procureur. Peut-on afficher le document de la liste 65 terres qui porte le numéro 050-29? Pouvez-vous confirmer que la 343e brigade a été rebaptisée la 43e brigade après que le premier corps de la Kraïna de la VRS avait été formé? Réponse. Pour ce qui est de la date exacte de le changement du nom de la brigade, je ne la connais pas, mais je sais que le 21 mai, la mobilisation générale a été décrétée, après quoi la brigade, le nom de la brigade a changé. Et cette brigade a été rebaptisée la 43e brigade. Si vous permettez, je peux vous dire davantage par rapport à votre première question, puisque je m'attendais à ce que vous posiez la question pour savoir pourquoi cela n'était pas ainsi. Question, M. Vujic, nous allons venir regarder à l'écran. Vous allez voir l'article de Kozarski Viesnik dans le deuxième paragraphe en anglais et la deuxième page dans la version en B16, dans la première colonne. Radmilo Zelyaya a dit, je cite, notre commandement avec l'autorisation du corps a réussi à rassembler les armes ainsi que l'équipement technique des unités de la défense territoriale des municipalités Priedor, Sanskimos, Novigrad et Kozarska Dubica. Ainsi que dans la région de Kraïna de Tsazin et a réussi à les mettre dans nos entrepôts sous notre contrôle. Fin de citation. Monsieur Vujic, la 343e brigade a pris le contrôle des armes de la TO, n'est-ce pas? Réponse. Pour ce qui est de la période dont on a fait référence tout à l'heure, à savoir avant l'attaque contre Priedor et avant la fouille de Pourarsko, toutes les armes n'avaient pas été rendues de la part des effectifs de réserve de la TO et de la police. Et ces armes n'avaient pas été placées sous le contrôle de la VRS. Monsieur Z, du bureau du procureur, je demande le versement de ce document, Monsieur le Président. Maître Benson, Monsieur le Président, il a lu une partie de ce document qui contredit la déposition du témoin et nous pensons que cela serait que cela devrait suffire, le Président. Selon notre pratique, j'ai tendance à être d'accord avec Maître Robinson. Est-ce que vous voudriez ajouter quoi que ce soit, M. Zetz? M. Zetz, non, je vais continuer. Le Président, oui. M. Zetz, au paragraphe 7, dans votre déclaration, vous dites que votre bataillon n'a pas pris part aux opérations de combat jusqu'au mois de septembre 1992. Au moment où vous vous êtes rendu à Gradačac, mis à part l'opération du nettoyage du mont Kourevo. Est-ce que vous dites, M. Vujic, que votre unité, jusqu'au mois de septembre, n'a pas participé aux activités de combat sur la ligne du front?
où se trouvaient vos forces armées? Réponse, oui, mais mis à part les opérations au Mont-Courevo. Mon bataillon a pris part dans ces opérations de combat au Mont-Courevo. Question, et le bataillon a participé à la prise de pouvoir dans la ville de Priedar, n'est-ce pas? Réponse, le bataillon n'avait aucune fonction pour ce qui est de la prise de pouvoir à Priedar. Question, peut-on afficher le document 65 terre qui porte le numéro 25839? Il s'agit d'un article du bulletin de la 343e brigade ou de la 43e brigade. Au milieu de la page, il est dit, le commandant de ce bataillon, Drashko Vujic, homme qui était parmi ceux qui ont pu ressentir des vibrations fascistes, qui étaient mises pendant des siècles de la part des ennemis anciens, a dit, le peuple de Podkozarie sait très bien comment c'est de subir des atrocités. C'est pour cela que nous avons dû éviter que nous vivions le destin de nos ancêtres. C'est pour cela que nous devions être prêts à ce qu'il allait se passer. Fin de citation. Monsieur Vujic, vous avez fait référence ici aux préparatifs vers la fin de 1991. Réponse oui. Question. La période d'activité du bataillon, qui n'était toujours pas officielle sur papier, était seulement caractérisée par la participation à la prise de pouvoir au gouvernement, la prise de pouvoir par rapport aux musulmans. Monsieur Vujic, vous admettez ici votre participation à la prise de pouvoir à Priedar à la fin du mois d'avril 1992. Réponse. Ce jour-là, lorsque la prise de pouvoir a eu lieu, le bataillon n'a pas eu de mouvement. Les unités du bataillon n'ont pas fait de mouvement, aucun. Et étant donné que les préparatifs pour la prise de pouvoir se déroulaient en secret, la veille, seulement la veille, j'ai appris que la prise de pouvoir allait se produire et mon commandement supérieur m'a donné un ordre oral pour que l'unité soit prête et se trouve rassemblée et prête à agir. Après quoi, il n'y a pas eu d'ordre pour le mouvement des unités. C'est pourquoi je dis que les unités étaient en partie organisées et que les unités étaient prêtes à éviter de surprises qui n'étaient pas dans l'intérêt des citoyens de Priedar. Question. Mais ici, vous avez dit clairement dans cet article qu'il s'agissait de la participation à la prise de pouvoir au gouvernement. Vous avez pris part à cette prise de pouvoir, n'est-ce pas? Réponse. Je vais réitérer ce que je viens de dire. Le bataillon n'a reçu aucun ordre pour que les unités fassent un mouvement en aucun niveau. Cela veut dire qu'il n'a pas pris part à la prise de pouvoir. Pour moi, la prise de pouvoir veut dire participer à la prise de pouvoir directe ou de façon directe en exécutant des tâches précises sur le territoire de la municipalité et de la ville de Priedar. Dans ce cas-là, cela ne s'est pas produit. Question. Et vous continuez et vous dites, le président, pouvez-vous confirmer en posant la question au témoin pour savoir si c'est ce que le témoin avait dit dans son entretien, monsieur Zetz, monsieur le président? J'ai également pensé que c'était clair au niveau de l'entretien, mais il a expliqué cela d'une façon quelque peu différente. Le président, où se trouvent les guillemets
Monsieur Z, si j'ai bien compris, c'est à partir du moment où il est dit le commandant de ce bataillon relate et après il y a deux points. Et je pense c'est ce qu'il a dit aux journalistes. Le président, est-ce que vous confirmez avoir dit cela, Monsieur Vojic, le témoin? Je ne peux pas me souvenir de cet entretien que j'ai accordé aux journalistes. Et je ne me souviens pas d'avoir accordé un entretien à un journaliste à l'époque, mais il s'agit certainement du fait que le journaliste a embelli la situation et que le journaliste a essayé à faire comprendre à qui que ce soit qu'il s'agissait d'une puissance plus importante qui aurait pu prendre part à la prise de pouvoir si c'était nécessaire. Comme je vous ai déjà dit, mon unité avait certaines tâches et je vous ai expliqué comment ces tâches ont été exécutées par mon unité. Le président, oui, Monsieur Zetz, vous pouvez continuer, Monsieur Zetz. Ensuite, vous dites, je cite la défense de Priador par rapport aux intégristes musulmans. Le président, où est-ce qu'on peut voir cela, Monsieur Z, dans la même partie, au milieu de la page? Cela devrait se trouver au milieu de la page. La défense de la ville de Priador par rapport aux intégristes musulmans, la participation au combat pour libérer Kozarat. Le président, est-ce que vous voyez ce passage? Le témoin, moi non. Je vois la page en question affichée à l'écran devant moi, mais je n'arrive pas à me situer sur cette page. Monsieur Z, du bureau du procureur, dans la version 1BCS, cela se trouve dans la colonne à gauche, vers le bas de la colonne. C'est le dernier paragraphe dans la version 1BCS. Le président, et on peut passer à la page suivante. De la version en anglais, Monsieur Zetz, oui, c'est vrai, excusez-moi, le président, oui, Monsieur Zetz, la participation au combat pour libérer Kozarat, fin de citation, ensuite les guillemets, et les punir les résidents de Hambariné qui ont fait couler parmi les premiers le sang des jeunes hommes serbes. Monsieur Vujic, pour ce qui est de ce bain de sang, cela se rapporte à l'incident du 22 mai 1992 au point de contrôle à Hambariné où deux soldats serbes se sont fait tuer et plusieurs d'entre eux ont été blessés, n'est-ce pas? Réponse, oui. Question. Pour ce qui est punir ou punition des habitants de Hambariné, cela a trait à l'attaque serbe contre Hambariné pendant laquelle cette zone a été rasée et beaucoup de non-serbes ont été tués et expulsés. Réponse, ici il s'agit de punir des auteurs de ce qui s'est passé, des auteurs des actes qu'ils ont commis ce jour-là à Hambariné. Monsieur Zetz, je demande le versement du document. Le président, ce document sera versé au dossier, le greffier, en tant que PSP 6611. Monsieur Zetz, ces opérations militaires à Priador, Monsieur Vujic, se sont déroulées sous le signe de prise de cible des musulmans et des croates pour les attaquer, détruire leurs domiciles, leurs foyer pour détenir des hommes, n'est-ce pas, l'accusé. J'ai une objection à soulever pour ce qui est des documents précédents. Et dans la question de M. Zetz, il a été suggéré que les habitants de Hambariné ont été punis. Et ce n'est pas ce qui figure dans le document original. Le président. Non. M. Vujic a répondu à cette partie de la question. Continuez, Monsieur Zetz. Monsieur Vujic, est-ce qu'il faut que je répète ma dernière question ou est-ce que vous pouvez répondre à ma question?
Réponse. Répétez-la, s'il vous plaît. Question. Les opérations militaires à Priedor avaient pour objectif de prendre pour cible des musulmans et des croates en les attaquant, en détruisant leur lieu de résidence et en mettant en détention des hommes. Réponse. Cette opération militaire n'avait pas pour but de détruire la population civile, de détruire des bâtiments et des installations, mais plutôt de riposter à ceux qui ont ouvert le feu sur les soldats serbes et qui ont tué les soldats serbes. Question. Dans cette chambre, des éléments de preuve ont été présentés concernant le nettoyage, les opérations de nettoyage à Priedor et concernant la résistance des formations croates et musulmanes qui n'étaient pas importantes et que des gens se sont rendus en masse et que des conscrits de nationalité musulmane ont demandé qu'ils soient libérés des unités puisque leur ville était en train d'être détruite en masse et que les leaders du SDS de l'Irak prenaient publiquement l'expulsion des musulmans et des croates. Ce sont les pièces P36-62 et P39-11. Et pour cette raison, M. Vujic, les populations non serbes avaient peur pour leur vie et partaient de la zone. Réponse non. Ce n'était pas ainsi parce que les musulmans et les croates avaient quitté de leur propre gré toutes les unités. Et dans les unités, il y avait par la suite très peu de musulmans et de croates. Donc, je peux vous donner quelques exemples concernant la situation qui prévalait à l'époque, concernant ceux qui étaient peu nombreux, qui étaient restés aux unités. Et ceux qui ont répondu à l'appel à faire obstruction au sein de la JNA et à l'appel à ne pas répondre à l'appel à la mobilisation sont les gens qui ont causé ces événements malheureux. Question. Et en même temps, les responsables serbes faisaient des éloges des membres de la 43e brigade pour pour ce qu'ils ont fait à Priedor. Réponse, cela ne m'est pas clair. Ce que vous venez de dire, je ne sais pas comment ils faisaient des éloges de ces gens. Question, regardons le document 65-10951. Monsieur Vujic, cette chambre de première instance a fait verser des éléments de preuve concernant les recommandations des unités qui étaient engagées à Priedor, y compris les unités qui ont agi à Hambarine et à Kozarat, et ces recommandations provenaient du premier corps de la Kraïna, où il est dit que ces unités montraient l'exemple comment il fallait défendre la République serbe. C'est P36-56. Vous voyez à l'écran maintenant un article de Kozarski Viesnik pour ce qui est de la célébration de la fête de Saint-Patron dans la caserne de Priedor. Parmi les membres présents de la 43e brigade et également se trouvaient les membres de la 5e brigade de Kozara, leur commandant, etc. La page en anglais, à droite en BCS, on voit la dépêche envoyée par Radko Mladic et par Momin Talic. En page 3 en anglais, et dans l'encadré au milieu de la page en BCS, il est dit: les combattants, les officiers de la 43e brigade motorisée de Priedor se sont en particulier réjouis après avoir reçu la nouvelle que le président de la République et le commandant suprême, Dr. Radovan Karadzic,
décerner une médaille, la médaille des Nemanjić à cette brigade pour ce que cette brigade a fait lors du combat armé et pour montrer un bon exemple, exemple positif concernant ce que cette brigade avait fait jusqu'ici. Il faut dire que par le décret du président de la République, l'ancien commandant de la 43e brigade motorisée, colonel Vladimir Arsic, a reçu également la médaille de Kara Djordje avec étoile. Donc il faut dire, Monsieur Vujić, et c'est le fait que les unités qui étaient impliquées aux opérations du Priedor ont reçu des médailles des responsables les plus haut placés militaires et politiques de la République Srpska réponse. On voit que l'unité a été recommandée et le commandant a été promu. Mais ici, il ne s'agit pas des combats dans la zone où il n'y a pas eu de résistance. Il s'agissait des combats dans la zone où la résistance était considérable et où les soldats serbes se sont fait tuer. D'ailleurs, des gens se sont fait tuer de deux côtés. Et il s'agissait d'une guerre sans pitié, malheureusement. Pour ces raisons, l'unité a réussi à s'acquitter de cette tâche et étant donné qu'il s'agissait de la fête de Saint Vitus, c'était le moment propice à procéder à des analyses des événements et à faire des éloges de ceux qui ont réussi à exécuter les tâches qui leur avaient été confiées. Monsieur Zetz, je demande le versement de cet article. Le président, Maître Besson, nous n'avons pas d'objection. Le président, l'article sera versé au dossier, le greffier en tant que PSP 6612. Monsieur Zetz, dans votre déclaration, vous parlez de la mosquée Adonia Puraska et de la façon à laquelle cette mosquée a été détruite. Vous dites qu'il y a une violente explosion que vous avez pu entendre de votre maison qui se trouve à une distance d'un kilomètre par rapport à cet endroit. Monsieur Vujić, cette mosquée a été complètement détruite dans cette explosion, n'est-ce pas? Réponse oui. Question de Monsieur Zetz. Pour détruire un bâtiment de cette façon-là, il faudrait beaucoup d'explosifs et beaucoup de préparation, n'est-ce pas? Réponse, je présume que c'est ainsi. Question. Malgré tous les préparatifs qu'ils auraient dû être faits, vous avez dit que les unités qui patrouillaient à l'époque dans la zone de la mosquée n'ont rien vu à ce moment-là. Réponse, c'est vrai. Question. Cette chambre de première instance a fait verser des éléments de preuve disant que des dizaines d'autres édifices religieux à Priedor ont été détruits de la même façon que cette mosquée. Et vous savez que cela est arrivé à Priedor par rapport à d'autres édifices religieux des non-serbes, n'est-ce pas? Réponse, pour certains de ces édifices, j'ai appris cela plus tard et pour certains d'autres juste après ces événements. That after the mosque. Question, paragraphe 11, vous dites qu'après que la mosquée de Donia Buarska ait été plastiquée, vous avez garanti aux citoyens que vous alliez éviter que d'autres événements de ce type ne se produisent. Et en fait, Monsieur Vujić, quelques jours plus tard, Georgia Doshen est arrivée à Puharska et ensuite son corps a été retrouvé dans la rivière Lasana, n'est-ce pas? Réponse, je ne suis pas au courant de cela. Question. Pourrait-on afficher le document des 65 terres 25837, s'il vous plaît?
Il s'agit d'un dossier avec une déclaration de Rasim Jafic et plusieurs photos. Il nous faut la page 4 sur le prêteur électronique dans les deux langues. Jafic. Could we see the first page, please? Monsieur Karadzic, est-ce que l'on pourrait voir la première page, s'il vous plaît? Le président, vous ne pouvez pas le voir de vous-même sur votre système de prêteur électronique? L'accusé, non, pas moi, le président. Je demande au greffier de venir nous voir. Le président vient de me dire que vous devriez être en mesure de voir ce document sur votre système de prêteur électronique, monsieur Karadzic. Oui, mais ceci signifie que je ne verrai plus le compte-rendu d'audience. Mais ce que l'on montre maintenant n'est pas visible. Le président, vous pouvez le voir en écoutant le témoin et les conseils. Vous pouvez rapidement passer sur le système de prêteur électronique. Je pense que ceci peut être fait sans que ceci vous empêche de suivre les débats. Nous pouvons continuer. Monsieur Zetch, la question. Jafic, je dis plusieurs jours après, notre voisin, Monsieur Daric, est venu réparer la maison du Hoxha. Et puis continue. George Doshen, un criminel que l'on connaissait également sous le nom de Jolet. L'a trouvé là-bas, il dit qu'il l'a pris à bord de sa voiture et il est parti avec lui. Et il dit, un jour ou deux jours après cela, le corps de Fadil a été retrouvé dans la rivière La Sana et son torse était criblé de balles. Donc, monsieur Vujic, le fait est que les non-serbes étaient toujours pris pour cible après la destruction de la mosquée, n'est-ce pas? Ovde preskočili događanja vezana za rušenje. Réponse. Il y a quelque chose que vous n'avez pas mentionné qui porte sur la destruction de la mosquée et sur mes efforts après sa destruction. Mais je sais que un dénommé George Doshen, que l'on surnommait Jolé, était une personne qui a créé des problèmes tant pour la population serbe que pour la population musulmane. Il ne faisait pas partie de mon unité. Et j'entends parler de ceci pour la première fois. Comme dans de nombreux autres cas ou de nombreux autres incidents qui ont impliqué Jolet. Je l'ai mentionné durant ce procès, pas logiquement aujourd'hui, mais de manière générale. Et c'est ainsi que j'ai découvert ce que Jolet faisait et où il se trouvait. Question. Nous reviendrons sur Jolet dans un instant, mais je voudrais que l'on consulte la page suivante en anglais. Dans le dernier paragraphe, on peut voir que durant la même soirée, l'église catholique a été détruite. Est-ce que vous avez entendu une deuxième explosion lorsque l'église catholique a explosé après que la mosquée explose? Réponse, oui, je l'ai entendu. Ceci s'est produit plusieurs minutes après la première explosion. Question. Passons à la page suivante dans les deux langues. This is the mosque in Donia Puharska. Voici la mosquée de Donia Puharska avant qu'elle ait été plastiquée. N'est-ce pas? Réponse, autant que je me souvienne, effectivement, oui. Question, pourrait-on
avoir la page suivante sur les écrans dans les deux langues. And this is after it was blown up, right? Moguće. Et là, c'est une photo de la mosquée après son explosion. Réponse est possible. Question. Est-ce que l'on pourrait passer à la page... Est-ce que l'on pourrait avancer de deux pages dans les deux langues? Est-ce que vous reconnaissez sur cette photo les ruines de la mosquée de Donia Puharska? Ne mogu tvrditi da sam baš ovakvu sliku vidio tog dana. Réponse. Je ne peux pas vous dire avec certitude que c'est exactement ce que j'ai vu ce jour-là. Ce qui est possible, c'est qu'effectivement, il s'agit de la photo de la mosquée, c'est-à-dire que la plus grande partie de celle-ci avait été détruite. Question. Pourrait-on avancer de deux pages à nouveau pour voir les photos suivantes? Public utility company from Prijedor called 4 July clearing the... Il s'agit d'une société de travaux publics de Prijedor qui s'appelle 4 juillet et qui nettoyait, qui déblayait les ruines de la mosquée. Est-ce que vous savez quand cela s'est produit? Peut-être en 1992. Réponse, je ne sais pas quand cela s'est produit. Question, est-ce que l'on pourrait voir les photos suivantes dans les deux langues? Il s'agit de la maison de Rachim Zafić après l'explosion, n'est-ce pas? Réponse. Oui, je crois. Question, page suivante. Il s'agit de la maison de Zekeriya Kusuran, n'est-ce pas? Réponse, oui, je crois. Question, peut-on passer à la page suivante? Est-ce que vous reconnaissez cette maison comme étant celle décrite au niveau de la légende? Réponse. Je ne serais pas en mesure de vous dire à qui appartenait cette maison. Je peux lire au niveau de la légende qu'il s'agit de la maison de Mohamed Misirlic qui se trouvait juste de l'autre côté de la rue par rapport à la mosquée. Et je sais qu'elle a été endommagée, mais en fait, d'après cette photo, il semblerait qu'elle ressemble à la photo figurant sur les photos précédentes, Monsieur Zetch. Monsieur le Président, je souhaiterais verser ces photos au dossier. Monsieur Karadzic, pourrait-on savoir d'où viennent ces photos, quand ces photos ont été prises, qui a pris ces photos? Il est mentionné septembre 1992, mais ces photos viennent d'où? Est-ce que cela fait partie de documents d'une enquête? Monsieur Zetz, j'encourage Monsieur Karadzic à consulter la dernière page de la déclaration en BCS. Le témoin dit qui il a
explique qui a pris ces photos. Le président, vous pouvez répondre à l'accusé. Je pense que c'est une question tout à fait justifiée. Monsieur Zetz, est-ce que l'on pourrait afficher la dernière page de la déclaration que nous avons consultée? Ça devrait être la page 4 sur le système de prétoire électronique. Da, sad vidimo, to je... Monsieur Karadzic, oui, voilà, nous pouvons voir l'information. Monsieur Zetz, c'est la dernière page de la déclaration. Et le témoin dit... que Mirfet Pešić, le fils de Cemil, qui se trouve aux États-Unis, a pris ses photos... Le président, très bien. Maître Robinson, vous n'avez pas d'objection au versement dossier de ces photos? Maître Robinson, oui, c'est exact. Et au vu également des commentaires du témoin, ces photos sont recevables. Le président, très bien, nous allons accepter le versement. Le greffé d'audience P6613. Le président, veuillez continuer, Monsieur Zetz. Monsieur Zetz, merci. Question. Je voudrais que l'on revienne à George Doshen, connu également sous le surnom de Jolet. Nous en avons déjà parlé de ce monsieur. Il était membre des forces serbes de Prijedor, n'est-ce pas? Réponse. Joko Doshen était membre de la 343e brigade. Seulement pendant quelques mois, au tout début. Ensuite, il n'était plus membre de la brigade, et ceci était en partie suite à une décision que j'avais prise. Étant donné que je connaissais déjà Doshen avant la guerre, je l'ai rencontré lorsqu'il était membre d'une unité en Slavonie. Il était effrayé au plus haut point en raison de la guerre. Il était en situation de choc et on ne pouvait absolument rien en faire. Lorsque je suis arrivé à Prijedor, j'ai appris que Joko Doshen commandait une plus petite unité. L'unité exécutait ses ordres ainsi que ses missions. Ce que je ne savais pas, c'est d'où venaient ces missions. J'en ai conclu qu'il faisait tout de son propre chef et il s'est avéré exact. Parce qu'à un moment donné, le commandant de la brigade m'a chargé de reprendre le contrôle des soldats mobilisés sur la base du principe territorial, y compris pour la commune locale de Orovacha, d'où venait Joko, ainsi que Olovsti et Kalovitsa. Et par conséquent, je suis entré tout d'abord en contact avec Joko lorsque il a répondu à mon appel de mobilisation. Il s'est rendu au QG et je lui ai dit que conformément aux ordres du commandant, il était resubordonné à ce qui s'appelait à l'époque le 17e bataillon. Je lui ai également demandé de me fournir une liste des hommes et un inventaire des armes qu'il avait à sa disposition aussi rapidement que possible. Il a refusé d'obtempérer à ce moment-là. Il m'a dit qu'il ne se conformerait pas à mon ordre. Ma réponse immédiate a été la suivante.
Tant que je commanderai cette unité, vous, Joko, toi, Joko, tu n'en feras même pas partie en tant que simple soldat, et encore moins en tant qu'officier. Il a considéré cette situation comme impossible. Plusieurs jours plus tard, je suis allé à Orlovacha. C'est l'endroit où il opérait et il était originaire de cette localité. Je parle de Joko Doshen. Et après beaucoup d'efforts, je suis arrivé à mettre sur pied une unité officielle et à nommer un commandant. Qui était un officier. J'ai dit que j'ai eu énormément de mal à faire ceci, cela m'a pris du temps, parce que j'ai rencontré la résistance de Joko Doshen et de ses hommes. Mais finalement, tout s'est bien terminé. Question, et vous dites que ce moment-là, à partir de ce moment-là, Jolet était subordonné ou resubordonné à l'unité? Réponse. À partir de ce moment-là, Jolet n'était plus subordonné à l'unité. Il n'était même plus recensé comme un membre de mon unité. Il n'a reçu aucune mission de ma part. Et même s'il avait reçu des missions de ma part, il ne les aurait pas menées à bien. Monsieur Karadzic, compte rendu d'audience, le président, allez-y. Monsieur Karadzic, à la page 46, ligne 20, ce n'est pas tellement important, mais pour être exact, ce n'est pas le 17e bataillon, mais le 7e bataillon. Le président, est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Vujic? Monsieur Vujic, effectivement, c'était le 7e bataillon. Le président, merci. Veuillez continuer, Monsieur Zetz. Monsieur Zetz, question. Et en fait, Monsieur Vujic, cette chambre de première instance a reçu des éléments de preuve selon lesquels, dès juillet 1992, les instances de renseignement de sécurité du premier corps de la Kraïna faisaient état que tous les groupes qui fonctionnaient de manière isolée et que vous avez mentionné, qu'ils sont tous donc devenu membre de la 343e brigade et qu'ils ont mené à bien des missions de manière organisée. Donc en fait, tous ces groupes, tels que celui de Jolet, étaient sous le commandement de la brigade. Et ceci est la pièce P25494. C'était en fait la situation, n'est-ce pas? Réponse. Je ne parlais pas de l'unité, je parlais uniquement de Jolet. Les autres membres de son unité avaient été resubordonnés ultérieurement et étaient en fait des soldats exemplaires. Je n'ai parlé que de mes relations avec Joko, qui n'était sous le commandement de personne, et tout ce qu'il a fait était de son propre chef. Monsieur Karadzic, compte rendu d'audience. Le président, allez-y. Monsieur Karadzic, le témoin a dit, et c'était des soldats exemplaires. Et ce n'est pas dans le A, si maintenant c'est dans le compte rendu d'audience. Le témoin. Je n'ai parlé que de Joko. Alors que vous avez utilisé le pluriel, vous avez dit tous ces autres paramilitaires, mais nous n'avons pas mentionné encore qui que ce soit d'autre. Le président, très bien. Est-ce que l'on peut faire une pause maintenant, Monsieur Zetsch? Oui. Le président, nous allons faire une pause de 45 minutes et nous allons reprendre à 13h15.